Bonjour à tous. On se retrouve pour l'épisode 14 de Going Medieval. Donc c'est l'automne, le jour 2, il pleut, c'est 20h. Alors, j'ai eu des conseils sur un précédent épisode que je vais appliquer tout de suite. Il faut les mettre sur convalescence en priorité 1. Voilà. Que sinon ils se soignent pas et ils guérissent pas. C'est assez évident. Hop, 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 hop. Et voilà. Donc, Smund. Voilà. Smund était blessé. Ça y est, il va enfin se guérir. Merci pour ce conseil. Donc, n'hésitez pas à me donner des conseils parce que je découvre le jeu, moi aussi. Et donc, vos conseils sont les bienvenus. Ah, voilà, j'étais en train de transformer cette ancienne réserve en semi-habitation, semi-bibliothèque. Puisque la réserve a changé de place et que je m'étais dit que les étagères, c'était plus efficace que de faire ça au sol. Les chèvres sont à l'abri, les poules j'en ai pas encore et les vaches non plus. J'ai toujours 5 colons. Un sixième serait le bienvenu. Ah, j'ai un petit chat. J'ai un petit chat qui court après les petites bébêtes. Ah bah, il fait doudou là. D'accord. Pourquoi pas. C'est pas fini de construire là. Ah là 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 là. Et j'ai que t'as fait. Et pourquoi c'est pas fini? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Du bois. On manque encore de bois. C'est le bois, mais si. C'est incroyable. Et ça, ils y coûtent jamais. Ça pousse plus. Alors, le bois, ben on va couper celui-là. Ça devrait pas gêner. Touk. Off. Oui. De toute façon, là, ils vont partir faire dodo. Allez, ce sont des blessures. Marie qui récolte encore, c'est bien Marie. C'est l'heure du dodo maintenant. Allez les enfants, hop, au lit. Bon, par contre, la pluie, voilà, c'est vraiment dégueulasse. D'accord, Steven. J'allais dire répare, non, il soigne Osmond. Bon, il le répare en quelque sorte. Qu'est-ce qui se passe là? Pas assez de ressources. Oui, bah Osmond repartira à la chasse quand il ira mieux, hein? Il fait dodo. Ils sont tous forts. Mais c'est l'heure de dormir, les gens. Allez dormir, vous mangerez demain. Oh là là. On va pas manger le ventre plein, c'est pas bon. Là, les choux. Ah oui, les choux, j'ai eu catastrophe dans les choux. Hein. Ça, c'est la tempête de grêle. Là. Tout le monde va commencer à se réveiller. Et alors moi, je voulais tester s'il passait les portes de grange. Portes de grange. Principe, oui, théoriquement. Ça permettrait de les mettre vraiment à l'abri. Et pourquoi je peux pas là? Ah, si. Non, mais pas là. Ah, voilà. On va voir. Hein. Si ça marche pas, tant pis, on les enlèvera.
Normalement, il doit aller couper du bois. Non, toujours pas. Dossier de ressources, récolte de ressources, d'accord. Ah, ça y est, il y en a un qui part couper. Parce qu'il me cherchait du lait, j'imagine. Le petit cerf qui vient. Pas farouche, hein. Qu'est-ce qu'on avait? C'est du charbon. C'est fer, calcaire. Et l'argile? Non, c'est du fer. Oh, je sais plus, c'est écrit quoi? Sel, d'accord, pour l'instant le sel. Je suis bête ou je trouve pas l'argile? Sel? Non, ça c'est du fer. Bah, j'avais bien. Ah si, c'est là. Ça rocheux? L'argile a disparu, c'est possible? Se trouve. Sol rocheux, c'est pas ça que je veux. Terre, sel. Si ça c'est de l'argile. Non, toujours pas. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ben ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Coupe, oui. Marie qui coupe, hein, comme d'hab. Je retrouve toujours pas l'argile, hein. Je sais pas où. Non, ça c'est toujours du fer. Quand il fera jour, j'y verrai plus clair aussi. Si un jour il fait jour, si un jour la pluie elle arrête. Sol rocheux. Je suis persuadée d'avoir de l'argile par là. Terre, 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 sol rocheux, terre. Ah, des lueurs de soleil. La pluie va peut-être s'arrêter. Qu'est-ce qu'il fait, Osmond? Il y a tant de choses que ça à faire. Ah, le toit n'est pas fini. Ha ha! Bravo à moi. Bon, ben, on finit, du coup. Ouais. Allez, le soleil, par là, la pluie, arrête. Bibliothèques sont faites. Non, pas celle-là. Il faudrait qu'ils se dépêchent pour ranger tout ça là. J'en suis où d'ailleurs des recherches?
Je sais pas s'ils vont rajouter encore d'autres choses, j'espère. J'espère. Non, pas ça. Du coup, j'avais dit qu'ici, ce serait quand même une maison. Alors, on va mettre un lit. Un vrai lit. Pourrais même dormir à deux. Allez. Ça n'empêche que je peux rajouter des bibliothèques. Donc c'est plutôt sympathique. Alors j'ai bien un bras zéro là, là. Est-ce que je ne mettrais pas un bras zéro ici? Voire même quelques torches. Oublié. C'est pourquoi torche murale en bois, torche murale en fer. Pour l'instant, on va rester simple. C'est près du bord de la carte. Ça, je comprends pas pourquoi il me dit ça quand il me dit ça. Hein. Non, il veut pas. Ah, là, oui. Ben je comprends pas tout. Hein. Alors. C'est les malmises, la torche. Je peux évidemment pas la mettre comme ça. Là non plus. Et ben ça, je comprends pas. Donc, faut mettre un bras zéro. Bras zéro, j'ai quand même envie de le mettre en fer. Hop. Est-ce que j'aurai assez de bois pour tout ça? Non, j'en suis pas convaincu. On va couper des arbres ici. Ça dégagera un peu. Je verrai si j'ai de l'argile ou pas, parce que vraiment quelque chose que j'ai pas compris. J'ai toujours pas de chien. Alors, il y en a qui sont construites et ouais. Il reste la porte pour les chèvres. Toujours pas de nouveaux animaux, toujours pas de nouveaux colons, ça devient long. Allez Marie, vas-y. Ah. Qui c'est qui s'est blessé encore? Ah ben voilà. Il est allé trop loin dans la forêt, le loup l'a croqué. Le loup, tu arrêtes? Tu me lâches la grappe, s'il te plaît? Manqué. Ouf. C'est pas comme ça qu'on va avoir de la viande, hein. Mais il continue de le poursuivre, hein? Non, mais va te coucher. L'hélice est ici. Ouh! Tu vas te faire croquer. Je voudrais bien ne pas perdre de colons. Ou croque. Ah bah oui, les animaux ont faim. Ah, maintenant voilà. Pourtant il y a à manger là. Oui, bah, il y a à manger. Alors ça suffit. Bah à force de le manquer, il va finir par t'avoir. Hein. Il est descendu chercher quoi? Aïe! Ben voilà. Imbécile va.
Voilà, je suis perdu en colon. Oh, pas malin le mec, hein. Puis vous pouvez pas faire des bébés avec Marie aussi, je sais pas, faites quelque chose. Même les chèvres y arrivent. Ah bah voilà, maintenant ça va être Karl. Un chat. Cool. Cool. J'en ai déjà. Il est où? Celui-là, il est déjà adopté. Hein. Je sais pas son nom. Donc, quand je me rapproche. Bon, c'est pas grave, de toute façon c'est pas vraiment un chat que je voulais. Hein. C'est bien de m'envoyer des chats, mais moi j'aimerais bien des colons là. Alors l'affluence de la région. On est à 14,6. Ah c'est bien déjà, il fait la porte. Ok. Et ça peut passer. Ah, mais du coup, ça fait plus partie de l'enclos. Est-ce que je devrais pas mettre l'auge à l'intérieur? Sélectionner une variante. Bah, il n'y en a pas en fait. Tu peux t'enlever de là la chèvre ou pas? Ou pas? D'accord. Oh, chat. Marie. Dresse un animal. D'accord. Alors, le bras zéro est en cours de construction. C'est bien. Il reste une bibliothèque. Du coup, c'est quelqu'un qui doit chercher. Voilà. Y a plein de loups ici. Ah bah tu dois avoir le cadavre de l'autre là. Ah ouais, il y a son cadavre. C'est un peu dégueulasse. C'est un peu dégueulasse. Il faudrait faire un bûcher. C'est combien le bûcher? Pas trop près des maisons quand même. C'est pas dégoûtant. Alors, parce que je sais pas s'ils peuvent pas être cannibales en plus les colons. Alors, soins de blessure. Qu'est-ce qu'il s'est fait encore? Osmund? T'as fait quoi? Parce que la dernière chose que je l'ai vu faire, c'est faire la porte des chèvres. Ça va déjà être l'heure de faire dodo. Ils ont rien foutu, hein? T'as le chat qui galope au milieu des loups, tout va bien. Ouais. Non mais! Oh! Oh là 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 là. Il y en a bien un qui va arriver à se faire croquer encore. Hein. Oui, il est beau, lui. T'es qui, toi? Il est beau, il est magnifique, ce renard. Ouais, et il fait quoi du. Les villageois ne sont pas contents. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'est pas content? Il est contrarié de quoi? On
sais pas de quoi il est contrarié, il est un peu fatigué, parce que c'est l'heure du dodo. J'ai des aliments crus, vêtements hideux, on n'est pas là pour faire un concours de mode, hein. Privé d'une activité religieuse. Ah ouais, ça, mon ami est mort. Ouais, je suis désolée, hein. Mais t'es pas malin, ton copain. Activité religieuse, oui, d'accord. Faut que je fasse un bâtiment pour la religion, quoi. Est-ce que on double la hauteur, ce serait pas mal. Hop. J'imagine que plus tard je pourrais faire des trucs plus jolis quand même, mais bon. Pour l'instant, on va se contenter de ça. Moitié de toit de chaume, non, on va pas faire des moitiés de toit. On va faire un toit en entier. Ardoise de calcaire en bois, en osier. Non, mais on va faire un ardoise de calcaire, c'est le plus joli. S'il te plaît, viens par là. Attends. Oui, j'ai bien compris que j'avais besoin de. Alors, à mon avis, il faut que je mette une poutre. La poutre. Ça te plaît? Non, vraiment. C'est pas toujours évident, hein, de placer. J'y arrive pas là. Voilà, comme ça. Non, mais là, il y a un souci. Non. Non, il y a forcément entre deux murs. Alors, si je réessaye de mettre le toit. Ah non, là c'est le mur que j'ai fait sauter. Qu'est-ce que j'ai fait? Tac et tac. Allez, le toit. Je peux pas aller plus, hein. C'est quand même très étrange. Je n'y arrive pas. Voilà. Mais non, mais j'ai fait sauter tout le toit là, tout le. Ouh, Julie, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi j'arrive pas? Non, puis. Moi, ce que je veux. Pourquoi j'y arrive pas? C'est très bizarre. Attends, j'en ai déjà fait des toits comme ça. Enfin, je crois. Alors, oui, peut-être parce que la poutre, il faudrait qu'elle soit aussi là. Ouais. C'est possiblement ça. Ah, voilà. Non. C'est pas. Si je pouvais au moins annuler. Hop. Non, il va pas me faire annuler tout ça. Allez, je vais essayer une dernière fois. Hein. Alors là, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Sauf que moi, j'aurais voulu que ce toit soit dans le sens. Attends, la forme. Ou alors je fais comme ça. Bah, deux toits, c'est bizarre. Hein. On va faire deux toits. Parce que je vois vraiment pas de solution de. Et là, il veut pas. Pourquoi là, il veut pas? Parce que je suis pas sous une poutre.
faut que je mette. Côté comme ça gêne pas. Bah, si ça gêne pas, moi ça me gêne pas. Hein. Voilà, bon, c'est étrange. Par contre, là, il me manque les murs à nouveau. Okay. Je fais des bêtises comme ça. Parce que ça va être l'église des courants d'air. Hein. Des saints courants d'air. Hop, voilà. Bon, de toute façon, comme ça. Hop. Voilà, bah de toute façon, on va arrêter là pour cet épisode. Et on verra la suite au prochain épisode. Des bisous tout le monde et merci d'avoir été là.